Le cluster olémanique a pris son envol il y a un peu moins de 2 ans et est aujourd'hui hébergé dans ce magnifique bâtiment qui est devenu le tiers-lieu, la maison de l'eau, regroupant entreprises, collectivités, centres de recherche et de formation. Autour de 4 axes, l'eau énergie, l'eau et l'usage intelligent de l'eau, l'eau et le génie végétal, ainsi que l'eau et la biodiversité. Tous les 2 mois, nos partenaires se réunissent lors de commissions où ils proposent et co-construisent des projets ou tout simplement pour amener leur expertise. Nous avons plusieurs projets qui sont en maturation au sein du cluster. En ce moment, nous en avons à peu près une 20aine sur des sujets divers, tels que le suivi de micropolluants en rivière ou la création d'une pépinière expérimentale de sol pour les travaux de génie végétal. Créer cette pépinière de sol dans le Chablais permettrait de proposer aux entreprises des espèces adaptées à la région dans un contexte de changement climatique. Cela permettrait également de conserver les écotypes locaux des espèces de sol sélectionnées. On a identifié une parcelle sur une commune du Chablais à 800 mètres d'altitude où implanter cette pépinière expérimentale. On va commencer par planter quelques milliers de boutures, puis étendre le projet. Là, je suis en train de préparer la terre pour une pépinière pédagogique sur le type de la maison de l'eau. La maison de l'eau est donc bien sûr devenue un tiers-lieu autour de l'efficience de la ressource en eau, avec l'accueil des étudiants autour de centres de conférences, de formation, les entreprises sur un espace de coworking et aussi nos collectivités, centres de recherche autour de ces problématiques. Nous avons une idée folle qui est celle d'un partenariat avec l'Agence spatiale européenne que nous accueillerons au dernier étage. L'enjeu n'est pas financier, mais bien une collaboration et une vulgarisation des usages au niveau de cette interprétation d'imagerie satellitaire. En plus des commissions et des groupes de travail qui sont organisés au sein de la Maison de l'eau, d'autres événements sont aussi proposés. Par exemple, les entreprises partenaires ont la possibilité de présenter leurs procédés et leurs produits lors de pitchs de 15 minutes qui sont organisés à peu près 10 fois par an. Et nous proposons aussi des conférences trimestrielles sur les différentes thèmes du cluster qui sont ouvertes au public.